Yop tout le monde, c'est Malarsat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 22, on se retrouve pour une petite draft que j'ai préparée hier en live. Si vous n'avez pas suivi mon live, n'hésitez pas, hein, tous les jours des petits lives qui sont faits tout simplement. Donc voilà, donc petite draft où j'ai pas eu trop de chance en réalité, je vais vous montrer ça. Donc on va directement aller dans le draft, vous voyez que j'en ai déjà fait 5 ou 6, j'ai fait qu'une victoire. Voilà. Donc ma draft elle ressemble à ça, j'ai pas eu trop de chance mais bon j'ai eu quand même 6 légendes en tout. Bon il y en a ils sont sur le banc du coup comme lui par exemple, ou Best ou Rush. Mais bon je sais pas si je vais les rentrer. Ginola aussi sur le banc au cas où il peut servir. Enfin j'ai plein de gens sur le banc quoi. Mais vous avez vu que sur le terrain j'ai deux milieux MDC et MC qui sont pas ouf. Du coup je serai obligé de rentrer Fofana et Pereira à chaque fois. Alors, il y en a peut-être un que je peux déjà mettre. Non ça ferait trop mal à l'équipe hein. Il aurait fallu que j'ai un argentin ou quoi sur les côtés. Mais bref, on va tester comme ça du coup. Bon, j'ai Navas qui a 7, mais sinon tout le monde a 9 ou 10. Bon, lui il est MDC, c'est pour ça qu'il a 9. S'il serait MC, il aurait eu 10, mais au pire, si je fais ça, ça change quelque chose. Ah oui, ça change beaucoup. Alors, bref, je laisse comme ça, on va tester. Donc directement, on lance. Donc c'est une équipe 188 quand même. Donc c'est quand même assez sympathique à savoir. Donc voilà, donc on va tester comme d'hab. Je vais retourner contre un mec en attaque super saut, tout ça il va m'éclater. En plus il a une full légende quasiment avec 7 joueurs de légende quand même. Choix Tiger milieu gauche. Ah ouais, il a déjà joué à ce poste dans la vraie vie, Choix Tiger. Je savais même pas. Bon, du coup vidéo draft, ça fait longtemps. Je vous ai épargné la création d'équipe, les choix que j'ai fait et tout. Au moins là, ça sera un peu moins long la vidéo, mais au moins j'aurai le match. Et puis on va tester. D'ailleurs, je vais mettre pause direct. On va essayer de pas trop galérer. Si je gagne un match, putain, je bégaye. Le truc de Wayne Rooney, là. Voilà, c'est pour ça que je fais une draft. Mais en vrai, vu que là, il y a plein de créations de draft, là. Enfin, il y a plein de jetons draft qui te donnent. Je suis en mode, bon, vas-y, go faire des drafts, quoi. En vrai, de vrai. Donc là je fais une petite draft, là tout le monde veut que je joue avec eux hein, comme par hasard, mais oui je vais rejoindre juste après ma vidéo. Mais en gros je fais ce match là, de toute façon je pense que je vais perdre, mais si je gagne peut-être que je referai un autre match, je sais pas, on verra, tout dépend du résultat final. Si je gagne il y a un moyen que je fais un autre match, on verra. Ils sont chiants là, ils spam genre en mode de rejoint vocal et tout, vous voyez bien que je suis occupé frérot. C'est trop, j'ai pas le droit de vivre en fait. Oh c'est incroyable le Romain et le Waris là. J'ai pas le droit d'être tranquille quoi. Déjà je me suis mal réveillé quoi, j'ai mal dormi. Ok. Je pense qu'il est jouable. Putain mais je fais au mec qui est le plus petit du terrain. Je suis un débile aussi. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Donc ouais aussi ceux qui sont pas venus sur mon levier, bah j'ai réussi à me qualifier pour fut champion. Je fais 4 victoires en 9 matchs. Et le dernier, bah, je le déclare forfait. Mais en fait, je viens de penser à un truc, c'est que en fait, tu vois, il y a un défi, il faut faire 13... Euh,
13 victoires en fut champion. Et du coup, je suis à 4. Mais je me dis, putain, mais je suis con, pourquoi je quitte le match? J'aurais pu tenter de gagner le dernier, tu vois. Pour être à 5 sur 13. Vu que les playoffs, ça compte en fait dans le défi. Donc, ouais, je suis un peu con sur le coup. Bon, après, j'aurais peut-être perdu, hein, donc ça aurait rien changé, tu vois. Mais au moins, j'aurais pu tenter. Après là, je vous avoue que je joue un dispositif, que je joue pas spécialement en 4-3-1-2 là où je sais pas quoi, avec les 3 MC et le MOC et les deux buteurs. C'est une compo, ouais, qui peut être compliquée à jouer. Il faut jouer vachement dans l'axe, je pense. Donc après, c'est pas mal vu que moi j'aime bien juste avoir un attaquant, un finisseur, tu vois, il marque et puis voilà, basta. Et genre, ça peut être intéressant, mais putain, mais pressing. Ouais, GG, hein, ça fait un 0 ça. Propre. Y a rien à dire. C'était magnifique. Moi, bon, j'ai tenu 24 minutes. C'est bien. C'est déjà mieux que les autres fois. Les autres fois, ça, à ce même temps-là, je perds déjà 3-0. Donc, il y a une amélioration. Il y a une amélioration. On va pas se mentir. Et ouais, comme dit, je joue sans tâche perso parce qu'en vrai, ça m'a saoulé. Donc, je laisse tout équilibré. On verra. Hein. Tant pis, hein. Si je perds, je perds, je gagne, tu vois, il n'y a pas de... Comme à trop chercher de tactique perso, frère, j'ai essayé 50 tactiques perso, frère. À un moment donné, rien marche, bon bah tant pis, je laisse en équilibré et ciao. Ça passe pas, ça me saoule. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, voilà. Regarde-moi cette compo, tu veux que je fasse quoi? J'ai pas de solution. C'est quoi cette frappe de PD, Zébi? C'est Pelé, hein, qui me fait une frappe comme ça. Hein. Y a pas de souci, frère. Y a pas de souci. Ah si, j'ai juste mis des contributions aux joueurs, sur certains joueurs, comme par exemple les attaquants, je leur ai dit de... Vas-y, hors jeu. Mais frère, vous avez ce qu'il a fait, frère? Il a fait un... Je sais pas, frère, il a fait un demi-tour sur le ballon, du coup ça a pris un temps fou à ce qu'il se place pour faire la potentielle passe. C'est chaud, hein. Des légendes qui savent pas jouer comme ça. Il y a 2-0 là. Avec mon Navas qui a 6 de colle là. Dommage que dans les drafts, les entraîneurs, tu peux pas les choisir toi-même, quoi. Parce qu'à chaque fois, ils te mettent le français bronze de merde, là, le cube là. T'es en mode, mais frère, c'est bon. On choisit nous-mêmes, en fait, qui on prend. Si on veut, pour améliorer au moins ça, quoi. Comme frère, ils te mettent des trucs, tu comprends pas, quoi. Ils te mettent le championnat. Comprends pas, tu vois. Y'a aucun sens. Ouais. Bon bah ok. J'arrive pas. Il s'est fait une passe tout seul, le bug. Après, il est en défense à 3, j'ai l'impression qu'il est en défense à 8, frère. Mais non, mais c'est trop. En vrai, je déteste ce jeu, vraiment, frère. Et en défense à 3, il y a 8 défenseurs à chaque fois. Tu m'expliques comment c'est possible? Ouais, vas-y, j'arrive même pas à faire une passe, frère. Ah, GG à lui, hein. Il a fait une bonne stratégie de défensif. C'est propre. J'arrive pas à jouer, frère. Pourquoi j'ai choisi ce dispositif? J'aurais dû mettre en défense à 3 aussi. Et ils m'ont proposé les 3 défenses à 3, une défense à 5 et celle-là. À un moment donné, frère, je suis obligé de prendre celle-là, quoi. C'est chaud, hein. J'ai quand même Cristiano Ronaldo, Pelé et Ronaldinho en attaque, quoi. Mais j'arrive pas. J'ai 0 attaque. Avec le ballon. La bonne interception.
Ouais, c'est trop, ils se rentrent dedans, Zebi. Ils sont dans la même équipe, ils se rentrent dedans, les bougs, là, c'est bon aussi. Frère, regarde, frère, oh. Il est trop fort, le type. Il me prend le ballon comme si j'étais sa mère, frère. C'est un truc de fou. Ouais, c'est trop, je peux rien faire. Attends, non, je suis pas d'accord avec ce que je viens de faire. Putain, j'ai mis arrière offensif, je suis un connard. Non, c'est trop, je peux rien faire. Bah, GG, hein. Merde, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de tout activer, c'est pas bon ça. Oh frère, c'est bon, je peux rien faire! Il est trop fort le type, frère! Je touche à peine le ballon, il me le prend en 2 secondes. C'est bon un moment, c'est trop! Ouais, c'était sûr, je savais dans ma tête, frère. C'est bon. Encore une fois, je me fais taper. Les drafts, c'est de la merde. Les drafts, gros, c'est de la grosse merde, frère. Putain. Mais mon draft, ça tryhard, frère. Frère, c'est bon, j'ai pas gagné un match en draft, frère. Le seul match que j'ai gagné, c'est un mec qui a quitté, frère. C'est bon. Regarde! Oh, il est en face à 3, il y a 8 joueurs, frère! C'est logique, ça! Frère, c'est bon. Et il arrive à être 5 attaquants en plus, mais c'est trop bizarre, frère, comment ils font? C'est bon, je suis un rageux, de toute façon. Qu'est-ce que je joue un jeu comme ça? Ouais, tu vois combien en défense? Je suis à 80, Zébine. Et là, il va retourner dans ça. Ouais, c'est bon. Comme il tryhard, le gars. Aidez-moi ça, c'est bon. Donnez. T'es hors jeu, fils de pute! Cristiano Ronaldo de merde, frère. L'autre, il court sans le ballon. Attends que t'as le ballon pour courir, non? Réfléchis un peu, garçon. Frère, t'es footballeur, tu devrais. Regarde, ils sont combien en défense? Regarde, ils sont combien en défense, frère! Mais t'es sûr qu'il a une équipe à 10 lui? Et lui il a pas un joueur dans son équipe, c'est impossible, il en a 32 frère. Oh frère, c'est bon. Il est en défense à 3 le gars. Il y a 7 joueurs à chaque fois. Comment il fait gros? C'est trop. Mais ça passe en plus. Bah ouais. Non mais c'est trop aussi. Oh vous cassez les couilles avec vos tactiques perso full défensif là! Vous pétez les couilles frère! Oh, c'est une draft, c'est pour le fun, frère! Le fun! T'as rien à gagner dans les matchs comme ça! Putain, c'est trop! L'autre, il a joué 7 défenseurs, frère! Regarde-moi ça, tu veux que je fasse quoi? Ils sont tous collés, ils font une partouze, frère! Wesh, chef, c'est trop! Je peux rien faire, gros! Non, c'est trop! À un moment donné, c'est trop. C'est quoi cette mentalité, Zébé? Wesh, frère, il est en train de m'humilier. Mais je suis obligé d'affronter tout le temps des mecs comme ça. Je suis obligé d'affronter des mecs tout le temps forts. Très bien, t'es champion, c'est moins fort que ça, frère. C'est trop. Frère, je vais jamais gagner un match de draft ou quoi, Zébé? Putain. Ouais, c'est trop. Ouais, c'est trop. J'ai pelé, c'est même pas fait un centre, frère. Pelé! Ouais, c'est trop, vas-y. C'est trop.
C'est quoi ces joueurs de merde que j'ai? Ouais, le mec il s'est juste tiré quoi, Pelé, il s'est juste tiré quoi. Il a fait le malin à faire des dribbles qui servent à rien, gros. C'est trop. Regarde-le, maintenant il fait le malin. Ah ouais, vas-y. C'est bon, je peux rien faire, frère. Je sélectionne un joueur, le temps que je sélectionne, il a déjà fait une passe à un autre gars. Genre, c'est trop, ça va. C'est trop ce jeu. Wesh, frère, les appels, c'est trop lent, c'est bien. Mais c'est bon, prends pour ton fils aussi. Je suis clairement son fils. Je suis clairement son fils, frère. C'est bon, je pue la merde, frère. Pourquoi tu fais une tête, fils de pute, là? Mais frère, il fait 1m20 ce fils de pute. Pourquoi à chaque fois que je joue à un jeu, j'ai que des mecs 1m20, frère? Mais passe-lui devant! Mais tu connais le foot ou pas? Passe-lui devant, gros! C'est trop! Les mecs, ils restent derrière les joueurs à chaque fois! C'est relou, frère! Ouais, c'est un jeu FIFA, mais c'est pas un jeu de foot! Putain, c'est à toi de faire le jeu! C'est un truc de fou! Bah, je me suis encore fait éclater en draft, c'est comme d'habitude! Putain, c'est bon aussi là. Je pue la merde à ce jeu. Pourquoi je joue à FIFA 22, Zibi? Tu crois pourquoi j'ai arrêté pendant 2 ans, frère? Tu m'étonnes, le jeu il pue la merde, gros. Vas-y, pack d'argent de mes couilles, mais garde-le, gros. Je te le vends rapide carrément, ton pack de merde là. Mais frère, c'est bon. C'est bon, c'est trop. Eh, je m'en fous de ton pack, Zibi. Et genre je le fais en rapide, j'ai rien à foutre, vas-y bouge bouge bouge. Ouais bouge bouge bouge, c'est bon. Rien à foutre, vas-y vas-y bouge bouge. Ton pack argent. Bouge bouge bouge. C'est bon. Bon rien à foutre s'il y avait des joueurs argent qui valaient 1000, 2000, je m'en fous. Allez bon, vas-y, c'est bon, saoulé, hop dégage. Mais dégage frère. C'est bon. Même si j'ai un gros joueur, je m'en fous. J'aurai jamais de gros joueur. De toute façon, c'est vrai. Allez, rien à foutre, rien à foutre. Vas-y, skip-moi ça, gros. Allez, 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 bouge, bouge, bouge. Allez, hop. Bouge, bouge, bouge. Voilà. Non, mais toi aussi, hein, frère. T'es pas épargné, frère. Non, mais toi aussi, hein. C'est vrai, mec, il s'est cru. Allez, bouge, bouge, bouge. C'est bon, c'est trop. Eh non, vas-y, non, j'ai pu faire de draft. C'est de la grosse merde, les drafts, frère. Gros, j'ai 2 drafts en plus à jouer encore. 2 drafts encore. Regarde, il y a écrit 2 là. C'est trop. La vie, je vais le faire en hors ligne le truc, la draft pour gagner. Tellement je pue la merde. Oh, sur 6 drafts, je n'ai pas gagné un. Pas une game j'ai gagné, gros. Pas une game j'ai gagné. À chaque fois, je tombe contre des mecs, frère. Ils te font. Tes défenses, tu peux pas leur passer, gros. Genre, impassable. Et après, on attaque, ils te font 2-3 tirs et c'est bon. Enfin, ok. On joue pas au même jeu, là. Moi, je comprends pas. Moi, je mets une équipe défensive, elle est jamais en défense. Tu m'expliques le délire? Ah, gros. C'est bon. C'est trop, vas-y. Bah, du coup, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires. Parce que voilà, c'est honteux. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Instagram, Twitter, Discord. Et surtout de suivre mes vidéos, bien sûr, c'est le plus important. Bref, je vous laisse là-dessus. Ciao.